RTCI nous réunit. Exactement, 8h passées de 15 minutes sur les ondes de la chaîne Inter. Et on souhaite un Mouloud Mabrouk au chef Fouad Frini. Bonjour chef et bienvenue sur les ondes de la chaîne Inter. Bonjour, Afef Alaya. Mouloud Mabrouk. Mouloud Mabrouk à vous aussi. Mouloud Mabrouk à tous nos chers auditeurs aussi. Alors, depuis le matin, j'ai annoncé le thème du jour. Aujourd'hui, vous allez nous donner la recette de la fameuse acida biva, la acida blanche. Absolument. Vous savez, c'est moi j'ai publié hier soir et j'ai eu énormément de réactions, des réactions très positives qui rappellent à plusieurs d'entre nous leur enfance surtout. Oui. Et qui rappelle donc ce plat, cette acida biva, qui se réalise surtout le jour du mouled. Oui. Mais pas que, hein, parce qu'on la prend aussi en petit-déjeuner. Mm-hmm. C'est possible de la prendre en petit-déjeuner. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi le cousin, le grand cousin, on va dire le basil de Saxe. Tout à fait. Et qui est en fait, qui est en fait libyen, le basil. Mm-hmm. Et le basil qui se prépare justement lors de l'Aïd El Kébir. Oui. Et donc vraiment, ça a suscité énormément de réactions, et je suis content. Et là, je suis content de faire revivre ce plat qui est très facile à réaliser. Il faut juste, comme me disait une amie sur Facebook, elle me disait que sa maman ne voulait plus le faire, parce que pour elle, ça équivalait à participer aux Jeux Olympiques. Alors oui. Ça, c'est une réaction. Une autre réaction qui est amusante aussi, concernant justement l'acide de smid, de semoule. Oui. Vous savez que l'acide de semoule est plus dur à réaliser que celle de farine. Et justement, elle se réalisait traditionnellement dans un plat de cuivre sur le canoun. Oui. Et puis on remuait avec une cuillère en bois. Et alors cette cuillère en bois, c'était la cuillère pour la triha pour les enfants, hein, qui n'était pas sage. Oui. Voilà, c'est des réactions très amusantes. Oui. Et moi, ça va me permettre d'abord de vous donner la recette, qui est facile à réaliser. Oui. C'est-à-dire, ne pensez pas que c'est difficile, c'est vraiment facile à réaliser. Il faut juste respecter les étapes. Et puis, vous donner surtout plusieurs variantes, parce que c'est ça qui est amusant. Et puis, de permettre aussi de revisiter cette recette. C'est-à-dire, parce que là, on peut partir sur soit du salé, soit du sucré. Oui, après, carrément du sucré salé, parce qu'aujourd'hui, ça fait de plus en plus. Oui. On va dire la base, elle est la même, mais juste, on va changer les garnitures. Tout à fait, exactement. Donc, la base est la même. Écoutez, alors la base, ce sera soit de la farine, soit de la semoule. Oui. Soit les deux aussi, parce que vous savez, on peut aussi préparer... Cette bouillie, en fait, c'est une bouillie. On va dire, on peut la préparer à 40% de smid, de semoule, et 60% de farine. Et là, ça évitera aux dames de participer aux Jeux Olympiques. Ce sera moins plus tendre, on va dire. Oui, c'est voilà, plus tendre. Ce sera plus tendre. En fait, la farine est la plus tendre, vous voyez. Mm-hmm. Bon, alors pour la préparer, il nous faut, à peu près 10 minutes de préparation et 20 minutes de cuisson. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour la préparation? Voilà, qu'est-ce qu'il nous faut? Très bonne question. Bon, allez, on va partir sur 4 personnes. Hein. Ne soyons pas trop gourmands. Hein. Oui. Des portions normales, donc 300 grammes de farine, du sel, de l'eau. Voilà. On va commencer par ça d'abord. On va commencer par tamiser la farine. Il faut bien la tamiser à sec. Pour éviter justement qu'elle fasse de grumeaux par la suite. Après l'avoir tamisée, on va ajouter, on part sur 10 décilitres d'eau comme départ. C'est-à-dire un verre d'eau, on va dire. Un verre d'eau s'il n'y en a pas le... Oui. D'accord. Un verre d'eau. Et puis, avant de mettre l'eau, on va d'abord mélanger le sel. Vous savez, le sel se mélange toujours à sec avec la farine. D'accord. Et là, on va mettre une cuillère à café et demie de sel. D'accord. Parce que c'est bon, justement, ce sel dans la farine,
même si on va même mettre du miel par la suite, par exemple, oui. Le sel est indispensable. Il faut mettre du sel. D'accord. Pour relever, parce que le sel est un exhausteur de goût, donc ça va exhauster le goût par la suite, même oui. du sucre. D'accord. Oui, en fait, oui, oui, on ajoute donc, quand même une pincée de sel quand on prépare les gâteaux. Donc, tout, oui. tout à fait, tout mm-hmm. à fait. Avec le chocolat aussi, oui. vous voyez. Très bien. Donc c'est là, ce sont des techniques de pâtisserie moderne. Oui. Bien. Donc, alors, on a tamisé, on a mis un petit peu de sel, mm-hmm. on a mis l'eau, mm-hmm. et maintenant, on va cuire. Alors, on va cuire, on va partir sur un feu moyen d'abord. Mm-hmm. Feu moyen, tout en remuant. Il faut mm-hmm. remuer tout oui. le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mm-hmm. pour éviter la formation, justement, de ces fameux grumeaux. Grumeaux, oui. Et puis, à mi-cuisson, dans les, on va dire, 10 minutes, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que la bouillie, elle va se faire de plus en plus épaisse, de plus en plus épaisse. Il faut pas qu'elle attache, attention. Mm-hmm, il faut pas oui. qu'elle attache, il faut pas qu'elle brûle non plus. Mm-hmm. Et donc là, on va baisser le feu et on va continuer donc à remuer, à touiller, mm-hmm. jusqu'à cuisson finale. Bah justement, c'est alors, quand la cuisson finale? J'ai du mal à connaître ce moment. Généralement, c'est 20 minutes. C'est quand elle est compacte, mais pas trop, et elle se décolle, donc elle ne s'attache pas. D'accord, voilà. Donc quand on va dire la pâte commence à se décoller de la marmite. C'est comme pour la pâte à pizza ou le pain, pareil. Hein. Mm-hmm. Quand elle est compacte, elle est lisse, elle est lisse. Il faut qu'elle soit lisse, mm-hmm. d'accord? Oui. Complètement lisse. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Là. On va ajouter soit du beurre, il y en a qui ajoutent du beurre, soit on va ajouter du semaine, il y en a mmh. aussi qui ajoutent du semaine, oui. mais au préalable, il faudra faire chauffer le semaine ou le beurre, et puis le clarifier. Vous savez comment on clarifie un fraise? On enlève et la partie... on clarifie? Oui, on enlève donc la partie qui change de couleur, si mais... Tout à fait, absolument. Voilà, absolument. La partie supérieure. Qui est assez rance, vous voyez, oui. qui est rance au goût. Et donc, bon, la meilleure technique, vous savez, c'est de réchauffer un petit peu mm-hmm. et de mettre tout de suite au congélateur, comme ça, ça fait un choc thermique. Mm-hmm. Et puis là, après, ce sera très facile d'enlever la couche de graisse qui va flotter au-dessus. Hein, c'est très facile, voilà. Mm-hmm. Okay. Bien, donc, alors, on a mis soit du beurre, comme je disais, mm-hmm. soit de l'huile d'olive, soit du semaine. Mmh. Bon, maintenant, on va partir soit sur une recette sucrée, mmh. et si c'est la recette sucrée, l'idéal, c'est le miel. Oui. C'est de mettre une grosse cuillerée à soupe de miel, ou même plus, ou même deux. Hein. Sinon, d'accord. un peu de sucre, si on n'a pas de miel. Oui, oui, moi je ne suis pas trop pour le sucre, franchement, oui. pour cette recette. Je préfère de très très loin le miel. Oui. Bon, maintenant, vous savez, au Caban, par exemple, ils vont à cette étape, ils vont mélanger aussi avec de l'eau de fleurs d'oranger. Ah. Et ça va donner justement cet arôme et puis oui. ce goût très agréable de fleurs d'oranger. Oui. Bon. Donc là, c'est pour la partie sucrée. Sucrée. D'accord. Maintenant, pour la partie salée. Oui. Vraiment, pour la partie salée, en fait, il n'y a pas de limite. Hein. Ça peut être une shakshuka de légumes. Oui. Ça peut être aussi une shakshuka avec du radis, parce que là, c'est un goût fort, et donc ça va relever le goût de la bouillie. Uh-huh. Ça peut être une kleya. Uh-huh. Ça peut être énormément de choses. Hein. Oui. Et moi, j'irai vers, disons, allez, je vais faire une petite bouillie diététique hein, où je ne mettrai pas du tout de beurre, je ne mettrai pas d'osman, oui. je mettrai juste un peu d'huile d'olive, d'accord, mm-hmm. et puis je sauterai des légumes, mm-hmm. Des légumes, c'est-à-dire poivrons, oignons, tomates, courgettes par exemple, mm-hmm. d'accord, que j'aurai coupé en julienne, oui. et je vais assaisonner tout ça par la suite avec simplement de la sauce soja. Et croyez-moi, d'accord. vous allez voir le résultat, le contraste entre le croquant des légumes, la texture de la bouillie et la sauce soja qui va nous réveiller tout ça. Je vous garantis que ça va être très très bon. Un plat d'acide à gastronomique.
Tout à fait. Non, disons revisiter. Revisiter, oui, revisiter. Voilà. Et comme ça, on aura un peu la conscience tranquille. On n'a pas trop mangé d'acide. On a mélangé avec un peu de légumes. Et, voilà. Oui, pourquoi pas. C'est une, oui, c'est oui, une et recette. Puis, et puis, on peut même ajouter un petit peu de gingembre si on en a, du gingembre frais. Mm-hmm. On peut ajouter aussi de la coriandre. Mm-hmm. Si on n'a pas de coriandre, on peut mettre de la menthe. On peut mettre aussi du basilic, c'est-à-dire voilà, des herbes fraîches qui, avec les légumes, la bouillie, l'acide et la sauce soja, ils vont donner un excellent résultat. Oui. Mais sinon, alors, bien sûr, vive notre cuisine traditionnelle. Et traditionnellement, on va la faire sucrée au miel. Au miel, on peut aussi ajouter, mettre de côté aussi de la ricotta, goutte, hein, avec la goutte aussi, ça doit être excellent, ça doit être très bon. Mm-hmm. Oui, en fait, dites-moi. Alors, là, une amie, elle vient de me poser la question, si une petite partie, ça nous reste une petite partie, est-ce qu'on peut la chauffer le lendemain? Au bain-marie. D'accord, comment on fait? Bah, justement, elle a posé la question, comment je fais? Pas directement, oui, mais si, on peut, mais au bain-marie. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas la chauffer directement sur le feu. D'accord. On la disposera dans un petit bac et puis avec une grande casserole. Mm-hmm. On va faire bouillir l'eau, mettre donc le bac dans la casserole et puis le tour est joué, hein, 10 minutes, 10, 15 minutes et tout ça va chauffer, il n'y a pas de souci. Voilà. Hein? Donc, on essaiera d'ajouter un tout petit peu d'huile peut-être et de touiller. Hein? Mm-hmm. Pour justement éviter les grumeaux toujours. Oui, voilà. Et aussi relever un peu le goût. Alors, oui, c'est normal parce que le goût... Le va goût, s'estomper le un peu, oui. Tout à fait. Il a tendance à s'estomper. Tout d'accord. À fait. Alors, on va rappeler rapidement, chef Wedfline, les ingrédients simples et faciles. Donc, il nous faut, on va dire, un verre d'eau. Il nous faut une cuillère à soupe, une cuillère à café de sel. De sel. Il nous faut 300 grammes de farine. Mm-hmm. Une grosse cuillère à soupe de miel, un tout petit peu, bon, disons deux cuillères à soupe d'huile d'olive, si on va utiliser de l'huile d'olive, sinon une petite cuillère à café de semaine ou de beurre. Oui. Voilà, pour que ça ne soit pas trop gras, mais le beurre, l'huile ou le semaine va ajouter à la bouillie un tout petit peu d'onctuosité quand même qui est recherché. Hein. Il ne faut pas que ça soit riche, il ne faut pas que ça soit sec. Et voilà. Ouais. Et donc, vous avez les photos à l'appui sur la page du chef Fouet-Frini ou la page de RTCI. Et vous allez découvrir d'ailleurs une assise kerkénienne. Oui. Carrément au poulpe. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Au poulpe. C'est moi. Merci c'est beaucoup. C'est un plaisir. C'était. Merci à vous. Tout le plaisir est pour moi. Merci encore une fois, Inch'Allah Mouldek Mabrouk. Et on vous retrouve tous les samedis sur les ondes de la chaîne Inter dans l'atelier des saveurs. Merci beaucoup, chef Foued. Excellente journée. Avec mon pote Karim Ben Amar. Hein. Oui, avec Karim Ben Amar. D'ailleurs, on profite de l'occasion pour saluer Karim Ben Amar. Ouais. Excellente journée, chef. Et à très bientôt. Excellente journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.